Ici, à cette dernière heure, dans ce lieu tranquille, la ville de Harlem est rassemblée pour dire adieu à l'un de ses espoirs les plus brillants. Éteint maintenant et séparé de nous pour toujours. Car Harlem est l'endroit où il a travaillé et où il a lutté et où il s'est battu, la demeure des demeures, la maison de son cœur, la maison de son peuple. Harlem est donc l'endroit le plus approprié pour nous rencontrer une fois de plus, afin de partager ces derniers moments avec lui. Car Harlem a toujours été gracieuse envers ceux qui l'ont aimée. Ceux qui se sont battus pour elle et ont défendu son honneur, même jusqu'à la mort. Personne ne se souvient de la dernière fois que cette communauté assiégée, malheureuse, mais néanmoins fière, a pu trouver un jeune champion plus courageux, plus galant que cet afro-américain qui repose devant nous, encore invaincu. Je dis ce mot encore, comme il aimerait que je le dise, afro américain. L'afro-américain Malcolm, qui était un perfectionniste, était très méticuleux dans sa manière d'utiliser les mots. Personne ne connaissait mieux que lui le pouvoir des mots sur l'esprit des gens. Malcolm avait cessé d'être un nègre bien des années auparavant. Ce mot était devenu trop étroit, trop chétif, trop débile pour lui. Malcolm s'élevait au-dessus de cela. Malcolm était devenu afro-américain et voulait, si désespérément, que nous, son peuple tout entier, devenions aussi des afro-américains. Il y en a qui considéreront comme leur devoir, en tant qu'amis du peuple noir, de nous dire de l'injurier, de fuir même de la présence de sa mémoire, de nous sauver en l'effaçant de l'histoire de notre époque mouvementée. Beaucoup de gens nous demanderont ce qu'Harlem trouve à honorer dans ce jeune capitaine tempétueux, controversé et audacieux. Et nous sourirons. Beaucoup de gens nous diront de tourner le dos, de lui tourner le dos, car il n'est pas un homme, mais un démon, un monstre, un perturbateur et un ennemi de l'homme noir. Et nous sourirons. Ils diront qu'il prêche la haine, qu'il est un fanatique, un raciste, qui ne peut apporter que du mal au combat que vous menez. Et nous leur répondrons et dirons, « Avez-vous déjà parlé à notre frère Malcolm? L'avez-vous déjà touché ou l'avez-vous vu vous faire un sourire? L'avez-vous jamais vraiment écouté? A-t-il jamais fait quelque chose de méchant? A-t-il jamais été lui-même associé à des actes de violence ou à des troubles publics? Car si vous l'aviez fait, vous l'auriez connu. Et si vous l'aviez connu, vous auriez su pourquoi nous devons l'honorer. Malcolm était notre virilité. Notre virilité noire, vivante. » C'était sa signification pour son peuple. Et en l'honorant, nous honorons le meilleur de nous-mêmes.
L'année dernière, durant sa visite en Afrique, il a écrit ces mots à un ami. Mon voyage, dit-il, est presque terminé. Et j'ai une portée beaucoup plus étendue que lorsque j'avais commencé, laquelle, je crois, ajoutera un nouveau souffle et une nouvelle dimension à notre combat pour la liberté, l'honneur et la dignité aux États-Unis. J'écris ces mots pour que vous sachiez avec certitude l'immense sympathie et l'appui que nous avons parmi les États africains dans notre lutte pour les droits de l'homme. L'essentiel est de maintenir un front uni dans lequel notre temps et notre énergie les plus précieux ne seront pas gaspillés à nous battre les uns les autres. Quelles que soient les divergences d'opinion que nous avons eues avec lui ou entre nous à propos de lui et de sa valeur en tant qu'homme, faisons de son départ seulement une opportunité de nous rapprocher maintenant. Here, at this final hour, in this quiet place, Harlem has come to bid farewell to one of its brightest hopes, extinguished now and gone from us forever. For Harlem is where he worked and where he struggled and fought, his home of homes, where his heart was and where his people are. And it is therefore most fitting that we meet once again in Harlem to share these last moments with him. For Harlem has ever been gracious to those who have loved her, have fought for her, and have defended her honor even to the death. It is not in the memory of man that this beleaguered, unfortunate, but nonetheless proud community has found a braver, more gallant young champion than this Afro-American who lies before us, unconquered still. Many will ask what Harlem finds to honor in this stormy, controversial, and bold young captain, and we will smile, and we will answer and say unto them, did you ever talk to Brother Malcolm? Did he ever touch you? Did you have him smile at you? Did you ever really listen to him? Did he ever do a mean thing? Was he ever himself associated with violence or any public disturbance? For if you did, you would know him. And if you knew him, you would know why we must honor him. Malcolm was our manhood, our living black manhood. That was his meaning to his people. And in honoring him, we honor the best in ourselves. And we will know him then for what he was and is, a prince, our black shining prince who didn't hesitate to die because he loved us so.